Bonjour à tous, je suis Aline Marie-Christine Zomogun, humoriste de talent et romancière. Aujourd'hui, je vais encore m'entretenir avec vous. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de m'écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux et je suis satisfaite que mon message vous atteigne. Je ne cherche pas à faire l'unanimité parce que ce n'est pas mon ambition. Dans les sociétés en développement, il y a des personnes comme moi qui s'engagent à informer les ignorants. Même ceux qui savent, ils ne connaissent pas tout. Moi-même, j'apprends tous les jours. Donc, il y a des sujets que j'aborde dont vous n'êtes pas forcément au courant parce qu'ils ne vous concernent pas. Mais ça fait toujours plaisir de s'informer, à défaut de lire. Vous n'aimez pas lire, mais moi, j'ai choisi cette option-là, de vous parler aussi de temps en temps. Donc, mon ambition n'est pas de faire l'unanimité. Je ne veux pas plaire, surtout pas aux cons. Ceux qui viennent sous mes vidéos me juger sur mon aspect physique. Je ne cherche pas de mari ni de femme. Je suis encore hétérosexuelle. Donc les femmes qui viennent me juger, projeter de nous montrer ce que vous savez faire. C'est pour ça que mon mentor, Dr Mathieu Mbargabega, journaliste politique et écrivain, parle de la pédagogie active. Tous ceux qui connaissent faire un métier, montrez-nous ce que vous êtes capable. Moi, je vous montre que je suis une spécialiste de l'humour. Et je me passionne de l'humour africain parce que je suis d'origine africaine. Je fais bien l'autre humour, vous avez déjà vu. Je suis une romancière. On n'écrit pas les romans au hasard. C'est quand on a de la culture et le don d'écriture. Et moi, j'ai ce don d'écriture. Donc, spécialiste de l'humour africain parce que je veux que l'humour africain ne meure pas. Donc, vous qui venez sous mes vidéos, racontez vos histoires à la con avec une culture de caniveau. Ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche même pas à savoir qui vous êtes. C'est vous qui cherchez à savoir qui je suis. Vous venez sous mes vidéos. On ne se connaît pas. Si mes vidéos ne vous intéressent pas, vous cliquez et vous passez à autre chose. Très important de vous le dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces papis flingueurs. Les papis flingueurs, j'enlève mes lunettes. Voilà, les papis flingueurs, ce sont ces personnes âgées. Pour moi, être âgé, c'est quand on a plus de 60 ans. Alors, ces personnes âgées qui ont de l'argent, qui veulent décimer la jeunesse en sortant uniquement avec des petites filles. Les petites filles de Tui que vous allez chercher, vous cherchez à prendre leur chance, à les tuer en plus. Il faut arrêter. Après vous, il faut que la vie continue. Après vous, l'Afrique doit continuer, surtout les Africains. Vous qui avez l'argent sale, arrêtez de draguer nos enfants. Et quand vous les draguez, vous prenez leur sang comme des biberons. Ce ne sont pas des biberons. Si vous voulez téter les femmes, tétez vos femmes. Vous avez vos vieilles, vous les tétez. Parce que vous les avez épousées, vous avez les seins debout, maintenant les seins sont tombés. Vous continuez à téter les babouches. Ne venez pas détruire nos enfants. Je vous demande de ne plus continuer à le faire. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous venez là, vous laissez vos maladies. Vous croyez que les jeunes ne vont pas se marier? Quand vous abîmez les jeunes filles de 20 ans et les gars qui ont 20 ans, ils vont épouser qui? Ils vont épouser des vieilles femmes. Ah non. Votre argent là, vous le redistribuez chez vos vieilles. Vous avez vos vieilles femmes, vous allez distribuer vos microbes et téter leur babouche. Vous arrêtez de téter les enfants d'autrui. Je vous demande d'arrêter de téter les petites filles. Et vous faites ça avec une telle méchanceté que la petite fille a ses seins qui sont encore debout. Quand tu amènes ta vieille bouche dedans, c'est pour aplatir les seins de l'enfant, pour lui donner 10 000. 10 000, c'est l'argent. Tu vas abîmer l'argent, la vie d'une petite fille à cause de 10 000. 10 000, c'est l'argent. Vos microbes que vous avez déjà là, avec les rhumatismes, allez laisser ça chez vos vieilles. Parce que même moi, à 47 ans, moi, je ne prends pas les vieux. 60 ans, non. Tu as les microbes, tu as le rhumatisme et j'en passe. Arrêtez de décimer la jeunesse africaine avec votre argent sale. Surtout ce qui m'énerve, c'est que les petites filles de 20 ans ont déjà les seins qui tombent. Parce que vous ne passez le temps à téter ça. Ce n'est pas des biberons. Moi, je tenais à vous dire ça. Les enfants, il faut que ces filles se marient. Et elles ne vont pas épouser des vieux. Elles vont épouser les garçons de leur âge. Quand vous finissez leur sang comme ça, elles vont faire comment? Quel est ce jeune homme qui va prendre une femme qui a déjà les seins tombés? Tu as d'abord fait ta vie quand? Tu as déjà seulement les seins tombés. À 20 ans,
L'homme tête de saint, comme c'est quoi? C'est quoi? Vous cherchez quoi? Sur le sein des enfants. Je suis obligée de vous parler avec sévérité. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs porté la tenue militaire. Parce que je ne rigole pas avec les vieillards là. Arrêtez de têter les enfants. Et vous, les petites filles, l'affaire de l'argent va vous laisser loin. Là où vous m'envoyez, là, moi, je ne prends pas l'argent des hommes. Hein. Je regarde même l'homme qui me drague. Vous êtes quel genre de famille? Quel genre de famille pour sacrifier vos vies? Tu veux mourir à moins de 30 ans, tu as déjà fait quoi? Pour 10 000? Pour 5 000? Pour 2 000? Un vieillard va venir abîmer tes seins, ta vie, pour 5 000? Réfléchissez. Hein. Vous êtes l'avenir, vous les jeunes là. Je dis bien, vous êtes l'avenir. Le Cameroun va changer. C'est le Cameroun vous appartient. Ne soyez pas pressés. Je dis que le Cameroun vous appartient. Ne regardez pas les gens qui s'embrouillent là, ils croient qu'ils sont éternels. Le Cameroun vous appartient, vous êtes l'avenir. Et je ne veux pas que les vieillards vous abusent avec les 10 000 francs. L'argent sale, surtout vos seins là, vous protégez vos seins. Vous faites l'amour avec eux. Personne ne tête vos seins. J'ai bien dit, vous ne touchez pas vos seins. Il est anormal qu'une fille de 25 ans ait les seins qui tombent. Je ne veux plus voir ça. Je dis que je ne veux plus entendre ni voir. Vous êtes l'avenir. Moi, je vous dis que vous êtes l'avenir. Les vieillards vont mourir. C'est vous qui allez les remplacer. Et je ne veux pas qu'à 30 ans, une fille est déjà abîmée. C'est comme si elle a 60 ans. Moi-même, je suis votre maman. Vous voyez comment je me maintiens. Je refuse les vieillards avec leur argent. Je viens de passer un an au Cameroun. Il y a un vieillard là qui a proposé de me donner 6 millions pour coucher avec moi sans condom. J'ai refusé. Parce que je savais qu'il veut venir laisser les maladies sur moi. 6 millions de francs avec un voyage, à la clé un voyage au Japon. Je lui ai dit merde, aller-retour. Lui-même, il sait là où il est là que je lui ai dit merde. Et je lui ai dit qu'il veut prononcer son nom un jour. Pour le moment, je viens de manger, je ne prononce pas son nom. Faites attention avec vos vies. Vous êtes l'avenir. Et pour conclure, la matière va danser. Tant pis pour les écrits. Moi, je respire. Moi, je respire la joie de vivre. Et je suis une femme amoureuse. Le passé, c'est le passé. Maintenant, je vis mon présent. Mon présent est nickel, comme moi-même. 47 ans bien sonné. Hey, Aline Mbé, le mauvais cœur n'est pas bien. Mbé, namaste mbon. Makane Mbé, namaste mbon. Je respire. Nous allons écouter Lady Ponce, brillante chanteuse camerounaise, qui vient de chanter. Ici, 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 on finit. Moi-même, je finis. Je finis là où je suis là. Nous écoutons Lady Ponce. Aline Mbé, à quoi? Hey. La la la. Au revoir.